T'es mort. Tu vas pas la remonter. Ah putain, il vient de planter une sauce. Non, chef, faut pas toucher, faut me laisser faire. En fait, faut y croire, en fait. Peut-être toi, tu dois pas y croire tous les jours, alors. Combien vous avez sur vous, chef? 500. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a baisé. Hein? Il m'a baisé. T'as alors, une teinte dedans. Il a rattrapé la sauce? Ouais, hein? Il a rattrapé. Jésus a marché sur l'eau et moi, j'ai émulsionné la vinaigrette. C'est génial. Elle tient une sauce à quoi? C'est une vinaigrette toute bête, mais... Tu l'avais plantée? Émulsionnée. Hein? Tu l'avais plantée? On ne savait pas trop, on avait un doute. Et comment tu l'as rattrapé? Bah, il ne sait pas non plus. Hein. Ah, il ne sait pas non plus. Alors, Père Écochin à votre droite. C'est normal. Son mari, en plus, n'est pas là. Oui, Guillaume. Finalement, il n'est pas venu. Non, il n'est pas venu, il est malade, tant mieux. Laurent Ruquier, à votre... pas venir sans Laurent Ruquier à votre gauche. Laurent Ruquier, c'est normal, mon ami. Claude Sarraute, juste après. Très bien. Ben Guigui, ah ben dis donc, là, c'est fou. Troisième âge, on les met prêts pour qu'ils entendent. Virginie de Clausade aussi vient toute seule? Oui, Virginie de Clausade vient toute seule, mais elle repartira toute seule. D'accord. Gérard Miller, très bien, un peu loin, parce que ouais. Au bout d'un moment, elle met la tête comme ça. Guylain Tellheimer, pareil, ah, c'est très bien fait, Masson. C'est bien. C'est-à-dire, d'abord, on a Laurent et Perry. Après, on a Claude et Ben Guigui, c'est le troisième âge, pour qu'ils entendent. Après, on a ceux qui crient plus fort que les autres, Gérard Miller et Ottenheimer. Moustapha, c'est pas mal non plus, non? Ouais, Moustapha, laisse-le où il est, c'est très très bien. Et Clausade là-bas, c'est parfait, Masson. Tu as... Écoute, franchement, c'est très réussi. S'il n'y a vraiment rien à dire, l'autre a rattrapé sa sauce. Voilà, donc pour l'instant, tout va bien. Tout va pour le mieux, attendons. Oui, allô? Oui, c'est Laurent Ruquier. Oui, au quatrième. Merci. Bonsoir, monsieur Ruquier. Ça s'est rajeuni ici. Oui. Ouais, on a pris un peu plus, un peu plus vigoureux. Pour des fins de soirée plus animées. On s'est dit quand même. Ah oui. Mais alors, notre ami Masson. C'est fou. Notre ami Masson qui travaille très bien d'ailleurs. Qui sait que dans la vie, il faut savoir donner un petit peu. Ça va, Thierry? Ouais, ça va. Jean-François Piège. Bonsoir. Bonsoir. Laurent Ruquier, qu'on ne présente plus, puisqu'il suffit d'avoir France 2. Il suffit d'avoir France 2 pour voir Laurent Ruquier, parce que c'est en boucle. Je ne savais pas que ça s'appelait Dîner, on n'est pas couché. On n'est pas couché, absolument. Dîner, on n'est pas couché, absolument, Laurent. Tu bois quoi? La même chose que toi. Ouais, voilà. Un peu. À la tienne, mon chéri. Tienne, ça va, tiens. Ça va? Jean-François. C'est pas dans la restauration que vous recevriez votre successeur avec autant de avec autant de sourire. Oh, pourquoi pas, tu crois? Si, mais on le reçoit comme ça, nous, avec un couteau. Avec le couteau. Ah, écoute, t'as vu, j'ai parlé de toi samedi dernier. J'ai dit, finalement, voilà, quand on est animateur sur France Télévisions, on peut écrire que les Noirs ont des bits je sais pas comment, ouais. On peut mordre un steward dans un avion. Ouais. Le pire, c'est de voter François Bayrou, ça t'est viré tout de suite. Ouais. Le pire encore, c'est éventuellement c'est que tu puisses voter Ségolène Royal, ça c'est assez terrible aussi. Ouais. Et puis alors, le pire de tout, c'est pire que péter un câble, il y a travailler sur le câble. Ah. Voilà. Mais toi, ils te font chier avec Ségolène Royal et tout ça, non? Non. Pas du tout. Ils sont téléspectateurs. Mais t'es allé chez le médiateur, normalement? Oui, bien sûr. Mais ce ne sont pas les directeurs qui sont... C'est les téléspectateurs qui sont très à l'affût de tout en ce moment. Tu vois, tu vois bien comment les élections sont dans l'esprit. Ça intéresse vachement les gens. Donc, tous les gens de droite râlent quand tu es un peu à gauche. Tous les gens de gauche râlent. Il n'y a que ceux qui sont pour Bayrou qui sont contents finalement en ce moment. Voilà. Tu l'as vu le médiateur? Tu le connais? Alors, non, parce que quand j'ai répondu moi dans cette émission, j'étais au Havre par téléphone. Donc je ne voyais même pas l'image. C'est un vieux qui est à la rue. Il est médiateur. Il s'appelle Mono. Et là, il y avait une fille qui s'appelait Mono qui posait des questions. Et toutes les 5 minutes, je précise bien que je n'ai rien à voir, même si je m'appelle Mono comme elle, avec cette téléspectatrice.
Alors, mais il l'a dit au moins 5 fois. Tu sens que le médiateur, il est super inquiet. Parce que si le médiateur fait des conneries, évidemment, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Après, des animateurs peuvent mordre des stewards ou des trucs. Jean-Luc tu connais, toi, Jean-Luc Delarue ? Oui, je l'aime bien, Jean-Luc Delarue. Mais j'ai toujours pensé qu'il avait pété un câble. Parce que là, on dit qu'il a pété un câble. C'est plus grave que ça, quand même. C'est ce que dit Sébastien. Sébastien, il dit, moi, j'ai déjà pris des Lexomil, j'ai déjà pris des Stilnox, j'ai déjà picolé. Mais ça m'a jamais mis dans cet état-là. En général, ça fait dormir. Bon, ça arrive, on a tous fait des conneries, bien Thierry. Bien entendu. Dis-moi, donc vous allez être obligé de signer un contrat d'éthique, alors. Tu sais ça ? Et tu connais ma vie. Oui. Oui, c'est très... marié, femme, enfant. Aucun problème. Ça va, non ? T'as quand même passé un mauvais moment, là, Noël, non ? C'était quand même assez hard. Là. Ah ben j'ai passé par une étape de la vie que tu connais aussi, c'est perdre quelqu'un dans sa famille, donc effectivement, ça, c'est vraiment... particulièrement son père, en fait, c'est valable pour sa mère aussi. Quand tu perds ton père ou ta mère, c'est vraiment, après t'es plus comme avant, quoi. Ça te change vraiment. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, en même temps, faire de l'antenne après le mois de janvier, ça m'a vachement aidé, parce que... Ouais. Quand tu peux pas faire autrement que d'être souriant et agréable aux téléspectateurs, bah, tu te forces un peu. Comme Michel Serrault, qui a joué La Cage aux Folles le jour de la mort de sa fille. Pourquoi tu dis... Excuse-moi, mais tu compares mes émissions avec La Cage aux Folles. Non, je te comparais à Michel Serrault. Merci. Mais bon. Non, mais c'est vrai. Et Sébastien, d'ailleurs, a joué le jour de la mort de son fils en moto. Pépédère, on a beaucoup parlé de Pépédère aussi. Moi, je trouve que ça, c'est la grandeur, en fait. Sérieusement, je plaisante pas. Là. La grandeur de ce métier, c'est ça, quand même. C'est que les mecs... Moi, je me souviens, je faisais des émissions et mon père qui était à la clinique en train de mourir. Bien sûr. Et je faisais des émissions et il fallait que je donne le change, tu vois. Parce que de toute façon, les gens, j'avais pas me plaindre, tu vois. D'ailleurs, c'est assez drôle quand les copains ou les gens que tu vois pas, ou ta famille ou des amis que tu as pas vu depuis un petit moment te disent « Oh, je te demande pas comment tu vas très bien, je te vois tous les jours à la télé. » Donc les gens pensent qu'on va très bien. Exactement, sous prétexte qu'on est tous les jours à la télé, on va très bien. Non, on peut aussi pas bien aller. Et ta mère, parce que le pire, c'est ça. Ben, ma maman, je l'ai régulièrement au téléphone, je vais au Havre de temps en temps. C'est le plus compliqué. Moi, j'avais peur, après la mort de mon père, que ma mère, ça soit plus dur que ce que c'est, en fait. Et elle a vraiment pris les choses avec beaucoup de courage. C'est-à-dire que ce sont des exemples quand, je sais pas combien de temps tes parents ont vécu ensemble. 50 ans. Ben voilà, comme les miens. Ouais. C'est ça qui est dingue, quoi. C'est là où tu réalises... C'est une forme de folie. Hein. Oui. Et puis la longévité d'un couple. Quand c'est un couple fusionnel pendant 50 ans, le jour où il y en a un des deux qui s'en va, comme ils disent, c'est comme si on te coupait un bras, quoi, tu vois, c'est plus du tout pareil, quoi. Mais nous, on a du mal à comprendre et à réaliser quand on est... Ça fait quand même 25 ans que je suis avec ma femme, alors... c'est la moitié du bras. Plus que 25 ans, Thierry. Et toi, alors, ça fait combien de temps, là, maintenant, Laurent? Ah, ça y est, oui, alors... Ça fait au moins 15 jours. c'est vachement bien, là. Bah, c'est vrai que oui, c'est plus rigolo, les textes sont drôles, quoi. Oui, puis ça attaque pas, en fait, tu remarqueras qu'il s'attaque pas au père de famille, tu vois, tu remarqueras quand même que... Jamel Debbouze, Mélissa Thuriot, voilà, ça m'est pas encore... J'y crois pas une seconde à ça. Ah, si, si. Ah, tu crois vraiment? Ah, mais c'est pas que je crois, c'est que... Tu sais tout, toi. Non, je sais pas tout. Il se trouve que je travaille avec Kader Aoun, qui est le pote de Jamel, donc je l'ai appelé pour vérifier. Oui, c'est vrai. Mais les photos, on voit rien sur les photos. On voit rien qui est sur des pas qui baissent, en plus, quand même. Ils sont même pas main dans la main. Non. En fait, tu sais quoi? Je crois que Jamel et toute cette bande ont connu Mélissa à Canal+. À l'époque, elle était assistante, elle faisait des photocopies. Tu vois, quand t'as connu la gonzesse comme ça, tu vois, moi, Mélissa Thuriot, pour moi, c'est Eva Perron, mais pour les gens qui ont bossé avec elle, tu vois, moi, ça m'est arrivé avec Flavie Flamand, par exemple. Flavie Flamand, je l'ai connue, elle était stagiaire sur Froufrou. Tu vois, c'était une petite gamine, quoi. On disait, Flavie, pousse-toi. Toujours faire attention à qui on parle dans ce métier, parce qu'on ne sait jamais ce que la personne va devenir. Ça, c'est sûr. Mélissa Thuriot, elle excite tous les mecs. Hein. Ils en sont tous fous. Hein. Bah oui, elle est appétissante, pourquoi, non? Je trouve rien de plus ni moins que d'autres. Ouais, mais tu sais, quand moi, je me souviens, un jour, j'ai croisé... Bon, je ne suis pas bon juge, tu vas me dire. Non, c'est pas ça, je te dis pas ça. Un jour, j'ai croisé Claire Chazal. À l'époque, elle bossait à France 2. Je l'ai croisée dans un ascenseur de France 2, à l'époque Antenne 2. Et je lui dis, vous êtes... Années 50, vous êtes un peu genre Grace Kelly. Vous n'avez pas du tout le look à la mode. Donc, vous allez être à la mode. Ah. Et dans l'année qui a suivi, tout le monde a flashé sur Claire Chazal. Aujourd'hui, bon, les gens s'en mêlent, mais à l'époque... Bon. Et Mélissa, elle correspond à l'époque. Je ne sais pas pourquoi, mais elle correspond à un physique que les gens ont envie de voir. C'est assez... Elle a des super yeux, ça, c'est vrai. Ouais, puis elle a cette fraîcheur. Elle a un côté, elle est grenobloise. Elle sent bon les myrtilles. Oui, allô?
Gérard et Perry. Oui, au quatrième. Merci. Les cheveux, ça va ? Et les cheveux, ça va. Bon, alors ça va. Nul ne peut savoir ce que tu as fait juste avant. Exact. Je te laisse sonner puisque tu as fait tout ça très bien jusqu'à présent. Bon, écoute. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas ? Le maître de maison nous accueille sur le palier. Bonsoir. Ça va bien ? Ça va ? Oui, ça va bien et toi ? Et donc, Perry, alors ? Bon, Jules n'est pas là. Bon, Jules n'est pas là. Bon, mais ça tombe très bien. J'ai cru comprendre. Mets-toi au lit maintenant. Allez, on arrive. Vous connaissez coucou Laurent Ruquier. Ça alors. Le fameux Laurent Ruquier. Bon attends, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Mais tu as invité le doyen en plus. Oui. Le doyen de ma bande. Mais dis-moi, t'as fait des aménagements ici. Il faut que la LCR ait son ton de parole. Vous devez bien vous marrer là en ce moment là, avec tout ce qui se passe là quand même. C'est rigolo la période pour nous, non? Ah bah moi... Moi c'est rigolo, les histoires Sarko, c'est... Moi je m'éclate. C'est marrant comme tout, on a je de la m'éclate. Chance. L'année prochaine, je pensais qu'on se ferait un peu chier, moi. Ah non, quand même, cette élection. Ah oui, il va y avoir les premiers mois du nouveau président, oui, ça va. Du nouveau merci. Président ou de la... Nouvelle présidente. Ah. Tu parles de Bérou, là. Moi, j'ai peut-être voté finalement Dominique Voynet, parce que quand voilà. Faut faire un geste. Franchement, tu le fais faut pas faire toi. Un geste pour l'écologie, faut faire un geste pour Dominique Voynet. Si pas pour toi, fais-le pour elle, ouais. Hulot est absent de cette campagne comme on ne l'aurait jamais imaginé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tu ne penses pas que Hulot, ils lui ont fait peur ? Oui, pareil. Ont dit, si tu continues à nous faire chier, d'abord, tu n'auras plus d'émission sur TF1. Ça, c'est sûr. T'es gentil. Et puis, il va t'arriver un truc, tu vois. Puis, il s'est calmé, mais alors, il est rentré à la niche. Il a réussi à faire venir tous les candidats signer son papier. Ça, c'est la plus belle bêtise qu'il ait faite. C'est bien sûr. Il aurait mieux fait s'arrêter avant. On ne l'a pas forcé à faire ça. Non ouais. Ça, c'est quand même son mission. Il avait dit que c'est déjà de s'être retiré trop tôt. Il n'avait aucun intérêt à se retirer avant la date limite. Personne, c'est de sa propre initiative qu'il a appelé les candidats à signer son fameux pacte écologique. C'était la dernière des choses à faire. La santé de Besancenot, c'est qui la gauche prolétarienne ? De la démocratie, Thierry, de la démocratie. Ça, donc, il faut le mettre en entier dans la bouche. Ne fais pas un Bénichou. Jamais faire ça. Ce pauvre Bénichou a été... Tu fais un Bénichou ! Oh! Ah ouais, non, là, l'autre, il était couvert, il a fallu aller lui changer. Quand je pense que c'est toi qui dois nous apprendre le savoir-vivre. Eh bien, tu veux que je te dise, je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. Et franchement, je pensais que c'était. C'est sexuel, hein? C'est une petite boule chaude dans laquelle. Une couille, en général, c'est un peu plus gros, mais. Enfin. Montre, Jean-François. Mais je ne veux pas dire. Montre un peu ce que tu appelles. Bah, bien entendu, les vrais sont là. Mais ça, c'est pour tout à l'heure. Parce que nous, on appelle une couille. Ah, voilà. Il faut un peu d'échauffement. Elle est tellement maline qu'elle va en importer au Moyen-Orient. Et tu sais ce qu'elle a fait quand même. Elle avait fait un business de tarte aux bonbons quand même. Et puis tu avais trouvé un brevet pour le sel aussi. Exact. C'était quoi? C'était quelque chose qui empêchait, un système qui empêchait le sel de coller. Mais dans les salières, quand il fait humide et tout ça. Mais enfin, maintenant, on est plus sur les émissions télé, comme tu sais. D'accord, mais enfin, c'est quand même énorme. À 26 ans, elle invente le truc qui empêche le sel de coller. Non, mais attends, elle a un petit côté géotrouffé. Mais elle est géniale. Bon, elle est incroyable. Bon, maintenant, elle est dans le business d'émissions, elle exporte, tout le monde en parle au Moyen-Orient. Un gars, une fille. Un gars, une fille. Et Drucker, Vivement Dimanche, ça s'exporte. Vivement Dimanche. C'est quand même extraordinaire. Union comme libre. Quoi, comme quoi, ces bougnoules peuvent acheter n'importe quoi. Non, c'est pas exactement ça. Ouais. Ils savent acheter les choses de qualité. Et alors ? Voilà, que je leur ai présenté. Et Taratata, que je commence la semaine prochaine. Je t'arrive à leur vendre Taratata. Ça y est, c'est vendu. Mais comment tu fais pour trouver un nagui arabe ? Eh bien, figure-toi que j'ai cherché, et en bout de course, j'ai pris Miss Liban pour faire l'affaire. Tu leur as dit l'audience que ça faisait, Taratata, en France ? Non, mais ils s'en foutent parce que je vais faire en France tellement bien. Quand tu fais Tout le monde en parle, au Liban, mettons, quand tu faisais cette émission, est-ce que les gens qui étaient invités dans Tout le monde en parle au Liban, c'était des gens qui étaient connus par tous les gens du Moyen-Orient ? Oui, parce que chaque émission, je faisais venir des gens d'Égypte, de Tunisie, d'Arabie Saoudite, du Koweït. T'imagines la programmation, c'est-à-dire que... Ce que je réalise surtout, c'est qu'ils se comprennent entre eux. Eh bien oui, c'est l'avantage de la langue. Il y a un type qui fait comme toi avec les fiches. Et il fait les CD comme ça, et il te fait ça, et enfin tout. C'est comment un titre, hein ? Shakumaku. 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 Et franchement, c'est pas pour te lancer des fleurs, mais ça a révolutionné
le talk show au Moyen-Orient. Parce que c'est la première fois qu'on arrive à réunir plusieurs personnes autour d'une même table. C'était quelque chose qui n'existait pas. Ils avaient l'habitude du face-à-face où les mecs tchatchaient pendant deux heures. Ce que nous, on ne savait pas, c'est qu'en fait, l'idée de faire un talk show avec des invités de tous les univers différents, ça n'existait pas, en fait. C'est-à-dire que aux États-Unis, ils font des one-to-one. David Letterman, Jay Leno, tous ces mecs-là. Ils reçoivent une personne. Et cette idée de mettre tout le monde autour de la table, en fait, c'est nous qui l'avons fait. Et donc, mais au Québec, c'est pareil. Ça a révolutionné parce que c'était la première fois qu'un ministre rencontrait une chanteuse. Exactement. Et ton mari, alors ? Mon mari est malade. Lui qui voulait venir vous parler de son livre. Ah oui, il a fait un livre ? Absolument. Il a fait un livre magnifique. Très sympathique, très drôle. Spermatofolie. Voilà. Oui, c'est alléchant. Alors, ça parle d'un homme, tu vois, on parlait de couilles, mais ça parle d'un homme qui se masturbe. Oh. Un garçon, d'abord. Ça commence par un petit garçon qui se masturbe depuis son plus jeune âge. Et en fait, c'est une maladie qu'il a. Et plus ça va, plus il se masturbe. Et plus ça va... C'est mieux que ce soit toi qu'on parle, je pense. N'est-ce pas? Parce qu'il fait les gestes, en plus. Ouais. Non, c'est pas comme ça. Ah bon? Ça, si tu veux. C'est ça. Ah, oui, j'avais oublié. Bon. Et donc, en fait, ce garçon... devient masturbateur chronique. Et il est complètement isolé. Mais c'est la vérité, c'est une maladie. Et il se retrouve de plus en plus isolé. Si, si, quand c'est 10, 15 fois par jour, là, ça devient une maladie. Non, non, une, deux fois par jour, c'est normal. Et donc, cet enfant devient adulte et il est complètement isolé. Il vit seul, renfermé, etc. Et puis un jour, il découvre dans une petite annonce qu'il y a la banque du sperme. Il y va. Et là, il devient donneur. Anonyme, évidemment, et sa vie commence à exister. Il a une vie... Il sert à quelque chose. Exactement, il devient travailleur et tout ça, il y va et machin. Et puis, il se fait licencier au bout d'un certain temps. On lui dit non, merci, on ne veut plus, c'est fini. Parce qu'ils n'avaient plus besoin, ils avaient du stock, ça suffisait. Mais oui, 15 fois. Le slogan de la banque du sperme, hein, le pouvoir de dire oui. Quelle est la morale du livre ? La morale du livre, c'est que, eh bien, dans la vie, il y a toujours un espoir. En fait, la moralité, c'est que si tu branles rien, il n'y a aucun espoir. Voilà, et ben ça, c'est très bien. Il a 25 ou 26, il dit, je crois. Oui, allô ? C'est nous. Moustapha, Claude, voilà. Guylaine. Oui, au quatrième. D'accord. À tout de suite. Attends, viens. Voilà, tout va bien. Je crois que c'est ici. Allez, je sonne. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. 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 Bonsoir, madame. Ça va? Je vous débarrasse? Moi, je veux rester comme ça. On passe comme ça? Ouais. Je prends votre manteau? Je vous donne, ouais. Okay. Merci beaucoup. Ça sera par là. Merci. Qui c'est? Ah! C'est Claude Sarraute! Ah! C'est Claude Sarraute! Quoi? Claude Sarraute! Justement, j'ai raison de lui parler un peu fort. Oh! Oh! Bonjour. Ah, mais vous êtes en couple, là, maintenant. Ah, ouais. Tu lis pas Voici? On m'avait dit que t'étais avec une animatrice de télé. Un peu plus âgée que toi. C'est Claude. Bon, c'est le plus jeune. Mais je savais pas que c'était Claude. Depuis le temps que j'avais envie de manger ici. Je te jure. Pour moi, c'est une réussite. Non, bah attends, le problème, c'est que ce soir, c'est un dîner spécial porc. Tu tombes très mal. Justement, depuis que j'ai réussi, je mange du porc, Thierry. Ah, ça, c'est pas bien. Non, c'est des conneries. C'est des conneries. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu ne dis rien, c'est cachère. Enfin, c'est pas à d'alcool, c'est à pas de... Tu peux... Non, mais tu manges tout bien comme ça. Merci. Mais d'un coup. Oui. Voilà, tu ne fais pas un bénichou. C'est bon. Hein. Qu'est-ce que c'est? C'est du foie gras liquide dans une boule chaude. C'est très du foie gras, c'est du foie gras à l'aile. Ah bah oui. Ah ouais, le foie gras, ça... Ah bah non, le foie gras... Ah, je vais aller en enfer, Thierry. Notre première rencontre, ça part en couille. Laisse tomber, je l'envoie. J'ai cru que ça allait mieux se passer. Excuse-moi, Moustapha. Non, mais c'est ma mère qui va être fâchée contre toi, surtout. Je savais pas. Bah oui, je sais, je risque d'avoir une fatwa contre moi. C'est toi qui avais mangé du foie gras à Moustapha. Mais le foie gras, c'est halal, quel est ton problème? Arrêtez nos conneries, le foie gras, quel est le problème, Gérard? Mais il y en a aucun. Pour moi, il n'y a aucun problème. Gérard, c'est même pas ce que c'est. Moi, je te bénis. Alors maintenant qu'il a bouffé ça, Jean-François, une tranche de jambon. Ma chérie, alors ça va? Il est pas trop méchant avec toi? Lui? Oui. Non.
Ah. Il taquine. Parfois. Ah, je suis un peu taquin. Un peu taquin. Un peu taquin, un peu taquin. Surtout quand il me taquine sur mon âge, ça c'est un peu... C'est pas son style. Oh, oh, c'est pas son style à lui. Non. Il ne peut pas t'attaquer sur l'intelligence, sur la beauté, tu as tout. Donc il faut bien trouver un truc. Non, mais c'est vrai, voilà. C'est vrai, attaquer les gens sur leur âge, moi qui commence à être quand même assez âgé maintenant, donc je trouve ça ridicule. Tu sais les trucs du dentier. Qu'est-ce qu'elle nous raconte. Mais Claude, tu te donnes le bâton pour te faire battre aussi régulièrement. Oui, ça c'est vrai. Je suis désolée, c'est toi, t'es la première à raconter tes histoires de dentier. Oui, mais je vais te dire la vérité. J'ai un truc ici qui tient avec de la colle. Je n'ai jamais eu autant de courriers de gens qui m'ont vu passer chez Riquier et qui me disaient « quelle colle, quelle colle, quelle colle !» 21 ans, c'est... Il fait plus vieux, quand même. Il fait beaucoup plus vieux. Hein, sans déconner. Mais j'ai bourlingué ma petite Péri. C'est bien. J'ai de la route, moi. Et t'as bourlingué où? Moi, je viens de Tours. Et t'appelles ça bourlinguer, toi? Tout de suite, c'est moi. Tout de suite. T'as vécu, oui. Ah, je vais faire chialer du monde, là. Ouais. Je viens de Tours et je suis arrivé à 17 ans à Paris. Ouais. Avec mes petites économies, tout ça. Et je suis sur scène depuis que j'ai 15 ans, en fait. J'ai commencé très tôt. Donc, voilà, j'ai 21 ans. Je peux dire que j'ai 6 ans de carrière. Vous êtes connu comment, Laurent? Si on peut le raconter. Moi, je l'ai fait venir à la radio sans voir son spectacle. Et puis après, j'y suis allé pour mieux comprendre ce que je pouvais en faire. Mais attends, mais il est arrivé à la radio comment, c'est ça? Parce que j'avais vu un article dans Le Parisien. Tu vois. Et j'ai envoyé Paulette Couder, une de mes assistantes à Europe 1, aller voir son spectacle. Elle m'a dit oui, c'est très très bien. Et puis je l'ai fait venir à la radio, mais j'ai pas été, je peux le dire. Mais tu peux le dire. Je n'ai pas été convaincu tout de suite. Je trouvais que il avait la tchatche, il était pas mal, il se la jouait, il était à l'aise quoi, comme ouais, il sait faire. Ouais, il était à l'aise et tout. Mais que ça suffisait pas, qu'il fallait quand même qu'il fasse rire. Et je lui ai dit quoi, très vite. Et puis j'ai arrêté en fait. Voilà. C'est quoi ce bracelet très C'est un cadeau. C'est un cadeau de mon ami Samuel Benchetri. La personne. On va au resto? Mais c'est suite à une soirée ou... Il n'y a personne. Mais non. Écoute, je vais t'emmener au restaurant et puis après on ira... Oui? Oui, monsieur Benguigui et mademoiselle de Clozade. Oui, au quatrième. Merci. Merci. Vous serez là? Ah non. Des racines. Oui. Ça. J'ai pas enlevé les trous, mais j'espère qu'ils sont cachés. Je t'en prie. Dis donc, c'est très dangereux. Je pense que l'ascenseur va chuter. Hola. Bonsoir. Bonsoir, jeune homme. Ça va? Ça va bien. Bonsoir, monsieur. Alors, l'ascenseur, je pense, va lâcher. C'est vrai? Oui, parce qu'il y a genre 7 écarts. Ah, ça arrive, oui. Je vais prendre vos vêtements. Voilà. Donc, j'aimerais bien que personne ne meure ce soir. Non, mais vous êtes les derniers. Parce que c'est une soirée passée sous le signe du plaisir. Moi, je ne me déshabille pas, j'en sais comme ça. C'est vrai? Ouais. Moi, je me déshabillerai un peu plus, mais tout à l'heure. J'emmène donc ma vie avec moi. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir. Un nouveau couple. On a fait des trucs dans l'ascenseur. Surtout, hein. Ouais. Merci pour ton invitation. Bon, alors on passe à table, là, parce que là, ouais, on a rien à dire. Non, j'aurais aimé. Tu sais jouer du piano, Gérard? Absolument pas. Tu sais jouer du piano, Claude? Non. Tu sais jouer du piano, non. Toi? Tu sais jouer du piano, non. Toi? Tu sais jouer du piano, non. Toi? Tu sais jouer du piano, toi? Tu sais jouer du piano? Personne ne sait jouer du piano. Virez. 7 ans, j'ai été obligée par mes parents. Personne ne sait jouer du piano. Moi, je pianote. Tu pianotes? Avec un temps. Très mal. Tu sais jouer quoi, par exemple? Rien, je peux improviser un tango. Fais voir. C'est pas si mal, c'est tout fait. C'est pas si mal. C'est pas jouer du piano. C'est pas jouer du piano. Tous les autres.
Machant, oui. Il y a un feu. Il y a des feux ici. Mais oui, encore, c'est incroyable. Il y a des feux absolument tous les jours ici. Voilà, regarde, un nouveau feu. Moi, un nouveau feu. C'est plus rigolo. Ouais, ça se veut dire. Ah, un nouveau feu. Bon, asseyez-vous, mes enfants. Un nouveau feu. Comment ça se passe, alors, ce changement d'équipe, ce passage de Paris Première à France 2 avec Laurent? Bah écoute, ça se passe bien, non, patron? Ça va, très bien. Tu es content d'elle? Vraiment? Écoute, moi, je vais te dire, en tant que téléspectatrice, elle est trop jolie. Ouais. Pardon. Claude m'a encore appelé, c'est vrai, la semaine dernière, pour me dire qui est cette jolie blonde. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Peu importe ce que je dis. Ah ben la télé, attends, Virginie, il y a un truc qui est clair, c'est qu'avant de savoir ce que t'annonces Poivre d'Arvor, tu dis, tiens, il y a une cravate à pois ou une cravate à rire. La télé, c'est avant tout le look, bien entendu. De plus en tout plus. Tout le monde se fout de ce que tu dis en général. C'est ce qui est important, déjà, c'est la gueule que t'as, comment t'es sapée, tu vois, après. Mais alors, toi, t'habilles en noir depuis tant d'années. Pour qu'on fasse attention à ce que je dis, parce que comme ça, au moins, les gens. les gens disent pas, il a une chemise bleue ou il a une veste rouge. C'est toujours pareil. Dans les news, on avait voulu mettre un costume à Laurent. Il avait une chemise à rayures avec un nœud papillon. Tu te souviens? C'était terrible. On était allés acheter les lunettes ensemble. Tu sais qu'il y avait une sacrée équipe dans les news. Je sais, quand tu réfléchis maintenant. Franchement, il y avait Christophe à l'évêque. Ouais. Isabelle Mergault qui a eu un César quand même depuis. Pas n'importe qui. Rien. Didier Porte qui continue à être assez méchant sur France Inter, oui, je crois. Clairement. Qui d'autre? Enfin, tu vois, il y a quand même de... Ramad était là aussi. Il y avait Jacques Ramad. Oui. Serge Riaboukine qui est devenu un comédien quand même. L'émission a été arrêtée à cause de Ramad. Parce qu'il avait été arrivé, enfin, entre autres choses, il était arrivé avec une petite bouteille de gaz sur les genoux à l'époque des attentats de métro Saint-Michel. Maintenant, si vous voulez trouver de la place dans le métro, il n'y a pas de problème, vous n'avez qu'une bouteille de gaz. Nous, ça nous avait fait super rire avec Laurent. Ça n'avait pas passé, là. Non, pire que ça, parce que je me souviens que Didier Porte avait fait... C'était l'époque où Interville reprenait, animé par Jean-Pierre Foucault, et on avait fait Interville entre les Serbes et les Croates. C'était avec les camps et tout, c'était une horreur. C'était très mauvais goût, et avec les commentaires de Foucault. Il y avait à l'évêque qui disait... Toi, tu disais, alors, Christophe à l'évêque, vous occupez de sport dans les news? Je disais, oui. Bah, il dit, non, Claire Chazal présente bien le 20h. Juste avant le 20h, donc, évidemment. Ouais. Mais ceci étant, il faut être honnête, TF1, ils étaient plutôt sympas. Oui, ils nous ont laissé faire ce qu'on voulait pendant 5 jours. Et dis-moi, Jean, t'es toujours au Chanteur de Mexico? Non, on reprend au mois de juin. Entre-temps, je vais faire Ali Baba pour TF1. Oui. Qui est une très bonne chaîne. Voilà. Voilà. Mais il n'y a pas Doc Gynéco, d'ailleurs? Il y a une journée, Doc Gynéco. Une journée. Oui. Il vient dans l'avion de Sarkozy. Il fait le génie. Voilà. Il fait le génie. Un rôle de composition. Voilà. Et toi, tu fais quoi dedans? Je fais le frère d'Ali Baba qui s'appelle Kassim, qui est le très méchant. Je fais le méchant méchant. Qui est Ali Baba? Gérard Jugnot. Et où vous tournez? Il voulait prendre vraiment un oriental pour le faire, oui. J'ai une amie qui tourne là-dedans, Leïla Bekti, tu connais? Non, je ne parle pas à ces gens-là, non. Ah. Parle-moi des vedettes, des choses comme ça, non. Je ne te connais pas non plus, hein. Je vais parler de toi. Tu as vu ce que ça fait, l'exomie, là? Fais gaffe. Je fais attention. Prends pas l'avion en prenant un Stilnox sur l'exomie. Mais ceci, moi, quand je prends du Stilnox avec de l'alcool, je déraille complètement aussi. Ah, ça te fait la même chose. Mais tout le monde. T'as déjà pris... Surtout dans les... Tu prends un Stilnox alcool, t'hallucines. Tu vois vraiment des éléphants roses, quoi. Quand t'arrive quelque chose d'aussi désastreux à un de tes collègues animateurs, est-ce que ça te fait plaisir au fond de toi dans la partie sombre mais de Thierry Hardisson? Mais pas dans la partie sombre, dans la partie claire aussi. Ah oui. Non, je suis ravi parce qu'il est tellement prétentieux et tellement méprisant avec les autres et tellement désagréable que quand il se fait choper, ça me fait plaisir, oui. Mais dans l'absolu, c'est pas un mec dans désagréable. Dans l'absolu, je soutiens Thierry, pardon. Je peux même pas dire qu'il soit prétentieux quoi que ce soit. On ne le connaît pas. Déjà. Et par la personne. On ne le connaît pas. Non. On ne peut pas être solidaire avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Quand il fait des fêtes, c'est reste... Il arriverait quelque chose à Michel Drucker qui n'est pas un ami, par exemple, mais c'est quelqu'un avec qui on a des relations, on va dire, confraternelles. On serait... Mais Jean-Luc Delarue, j'en dirais ni du bien ni du mal, puisque on ne le connaît pas. Ça, on ne peut pas lui reprocher. On l'invite sur les plats. Oui, mais si, ce qu'on peut lui reprocher, par exemple, c'est qu'il nous appelle pendant je ne sais combien de... Il nous harcèle, on le téléphone même parfois pour qu'on participe à ses émissions, pas seulement celles qu'il présente, mais celles qu'il produit, ou il nous demande de prendre un tel. En revanche, lui, on le supplie de venir sur, ne serait-ce qu'une fois sur nos plateaux. Tu l'as eu, toi, déjà, dans ton jamais. Émission? Jamais, moi non plus. Donc, si tu veux, il ne peut pas demander une solidarité de la part des animateurs alors qu'il ne les fréquente et qu'il ne les connaît Disons, pas. Clairement, il n'est pas que bon nous, camarade. On ne le connaît pas non plus. Ouais, moi, je suis désolée. On demande à Duhamel de partir parce qu'effectivement, il a dit dans une enceinte privé qu'il allait voter Bayrou, et quelqu'un qui se comporte pas pour la première fois très mal avec du personnel d'équipage. D'accord avec moi que Morden Stewart,
toucher le sein des gonzesses. C'est moins grave que voter Bayrou. Bah, oui. Dans Match, tu vois que Delarue, une fois qu'il est, il a peur de l'avion, donc c'est pour ça qu'il prend du Stinlux. Une fois qu'il était en Lexomil, une fois qu'il était en Namibie, il est dans un petit avion et tous les jours il change de lodge. C'était ridicule, c'est pas dans Match. Oui, s'il a vraiment peur de l'avion. Ça, ça fait peur. Si t'as vraiment peur de l'avion, tu vas pas. Il y a rien de plus dangereux que ces petits avions. Et dans l'article, ils disent qu'ils prenaient l'avion plusieurs fois par jour. Plusieurs fois par jour. Je suis d'accord que ce soit grave de voter Bayrou. Très grave. Très grave. Mais franchement, un animateur sur le service public qui se comporte comme ça et qui ensuite va faire des émissions compassionnelles sur les problèmes des gens, je suis désolée, c'est un autre plus crédible. Non, non, c'est non, ça un peu... Franchement, moi, vraiment, ça me gêne, cette chasse à l'homme. Ah bon? C'est pas une chasse à l'homme. J'ai pas de sympathie pour lui particulière. J'adore Miller, c'est là où il est bon. C'est là où Miller, voilà. Mais non, mais c'est vrai. Il est au fond du cours. Il a écouté tout le monde, et là, il entame ses Miller dans ses grands. Il entame sa remontée. Tu le sens venir. Et là, il y va, et il y va, et il y va. Mais arrêtez, pourquoi est-ce qu'il serait sanctionné par France 2? C'est pas dans son boulot, quand même, qu'il a commis ce qui peut être éventuellement sanctionné par la justice. Comme l'histoire d'Hamel me choque absolument. Ce type est un journaliste. Au moment de la campagne, on lui dit « Ah non, parce que vous avez des opinions politiques. » Un journaliste, moi, ça ne me choquerait absolument pas que PPDA soit à l'UMP ou au PS. Ah, il a absolument... Mais il a le droit de l'être. Oui. Thierry, c'est vraiment parce que Duhamel est un lâche, je le dis, qu'il ne proteste pas contre cette éviction qui est absolument scandaleuse. Il irait jusqu'aux droits de l'homme en Europe. Je ne suis pas du tout d'accord. Le droit vous, comparez deux situations qui n'ont rien à voir. Il y en a un qui est dans un contexte politique. C'est normal, il est patron de l'information, je ne sais quoi. Non, il n'est pas patron de l'information. Il est journaliste. Il a été un moment, éditorialiste à RTL. On connaît les opinions de tous les éditorialistes à la télévision. Autant je trouve normal qu'on me dise que chez Ruquier, il ne faut pas que je fasse de propagande pour tel ou tel. T'en fais pas d'ailleurs. J'en fais pas. Mais autant. Jamais. Personne ne connaît les opinions. Non, on s'en fout, franchement, mais c'est idiot. Qu'est-ce qu'on se fout de savoir que Gérard soit de gauche ou de droite? Puisque tout le monde le sait, qui va convaincre? Personne. Donc voilà. Donc je vois pas. Il vaut mieux savoir pour qui les gens votent que de ne pas le savoir, parce qu'ils vont essayer de t'influencer de façon insidieuse, ce qui est bien mieux que de savoir exactement pour qui les personnes votent. Après, tu fais le tri, tu filtres et tu crois qui tu veux bien croire. Et puis voilà. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'à RTL, si je me trompe, on le remplace par Gisberg. Ouais. C'est un charmant garçon, mais enfin, dans tout Sarkozyste. Le monde connaît quand même les idées politiques. C'est incroyable. Comme si tout d'un coup, on prenait une sorte d'ange qui est venu du ciel sans peut-être opinion. Que Bayrou, il est 10 fois plus encore... engagé, Gisberg, que Duhamel. Peut-être que voter Bayrou, c'est encore dangereux pour certaines personnes et qu'il le paye aussi. Je sais pas, moi. Si un homme d'influence, comme lui, dit, si les gens disent si Duhamel vote Bayrou, c'est peut-être. Non. Ben je suis désolé, pardon, mais on aurait voulu servir François Bayrou qu'on n'aurait pas mieux fait. Parce que franchement, personne n'aurait relevé qu'Alain Duhamel votait pour François Bayrou et qu'il l'avait dit dans un truc privé à Sciences Po, ça n'aurait pas fait une voix de plus pour François Bayrou. Tandis que là, en revanche, il y a plein de gens qui se sont dit « Oh, dis donc, Duhamel, il a voté Bayrou, on ne pouvait pas faire mieux. » Toi, la dernière fois que je t'ai vu, tu avais un Jules, alors. J'étais mariée, ouais. Je suis toujours mariée. J'ai demandé l'ascenseur. Bien sûr, non, avec le même. Arrête. J'espère qu'il est très beau. Il est sublime. Il est sympathique, j'ai déjà croisé. Tu le connais, toi? Moi, je le connais pas. Mais si tu l'as vu, il est venu dans ta maison de campagne. Ah bah bravo, on voit comment tu reçois. Je m'en souviens pas. Ah bah il est pas très beau, alors. Mais vous allez pas voir, c'est mon fond d'écran. Non mais attends, faut quand même que je précise qu'il est venu un jour où il y avait quand même déjà 100, 110 ou 120 personnes. À la fin de septembre. C'est la grosse partouche de printemps. Ah bon, on voit rien, c'est une photo où vous roulez une pelle. Non, on s'embrasse. Fais voir. Fais-nous un zoom. Oh, ah, il est beau ton mari. Fais voir. Mais non, n'appuie pas. Ben, en plus, toi aussi, Thierry, tu l'as rencontré. Il ressemble à Jean Matisse, ça compte pas, parce que Matisse, on peut avoir bu un coup. En tout cas, il a du charisme, tout le monde s'en rappelle. On va voir si vous savez répondre à une question qui est dans le Trivial Poursuite concernant Claude. Je me permets de le faire. Je t'en prie. Trivial Poursuite, question, comment Claude Sarraute était-elle surnommée aux grosses têtes il y a un certain nombre d'années? Lolotte. Non, pas du tout. En référence justement à ses expériences sexuelles, Chaudasse. La Madone des Sleeping. Ah, la Madone des Sleeping, parce qu'elle racontait. Elle fait beaucoup l'amour dans les trains. Ah oui, c'est vrai, ça c'était un des trucs que tu as fait. C'est dans le Trivial Poursuite. Mais Claude avec Revel? Ah non. Ah bon? Non, parce que. Honnêtement. Lui, ce qu'il aimait, c'était picoler et bouffer. Ouais, c'est vrai. Moi, je l'ai connu à l'Express. Attends, quand j'ai connu Revel, quand il dirigeait l'Express, il allait de bureau en bureau pour faire ses mini-conférences de rédac. Et il y avait un mec qui le suivait
avec un, comme un chariot roulant, hein, comme un chariot de petit déjeuner, avec toutes les bouteilles. Et Revel s'asseyait, le chariot se garait là, et il choisissait tel pinard, tel... C'est incroyable. C'était comme la perfusion. C'est un peu comme un drogué qui aurait été sous le plat. Tu sais qu'à la fin, on lui avait dit, si vous continuez à boire, vous ne pourrez pas vivre 6 mois. Ouais. Quand on est sorti de l'hôpital, on est rentré à la maison, et avant de monter, on a une brasserie en bas de chez moi. Il est arrivé, il a dit 2 coupes. Non, la bouteille. Ouais. Faut fêter ça, il me dit. Ouais. Ouais. Et il a bu jusqu'au bout. Il aimait ça, quoi. Mais attends, je peux raconter, je te l'ai déjà raconté. Alors, raconte, si tu veux. Chérie. Il a, à la fin, il parlait très mal, tu vois, il était vraiment très, très, très mourant. Il essayait de me dire des choses, et moi, je... Avec Jean-Henri, parce qu'elle nous l'a raconté. Parce qu'elle déjà. Est drôle. J'ai raconté. C'est très, très mourant. C'est un mot sublime. Quelqu'un qui est très mourant. Ouais. Et oui, c'est ça, très mourant. Alors, je me penche pour prendre ces derniers mots. Qu'est-ce que tu veux, mon chéri? Je suis désolée de te le faire répéter, mais je comprends pas ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux, mon amour. Un Bloody Mary. Mais en général, les personnes qui aiment manger, boire, etc., les vrais plaisirs de la vie, aiment aussi... Le cul? Non, pas du tout. Ah, ah non, il compense. C'est un intello, c'est un intello, j'en pense pas. C'est différent. Son fils est bouddhiste. Mais maman, Péry, tu dois choisir entre la baguette et le Beaujolais, tu vois ce que je veux dire? Ah. Pas tout savoir. Voilà. Donc, Thierry, quel est ton choix? La entre la baguette et le Beaujolais. Non, la baguette, voilà. Non, ça, je dois dire, je pense que ça doit être terrible pour un homme de... Mais elle t'explique qu'il était torché. Merci. C'est pas le moment. C'est pas le moment de déconner. Ah bon, on veut baiser encore un peu. Machon. Enfin, moi, je l'ai eu comme directeur à l'Express. Ah oui, oui, voilà, oui. Et c'était un très, très bon directeur. Bien sûr, c'est un mec génial. Intelligent. Sachant reconnaître les qualités des gens, ce qui est agréable. Et pas du tout avoir des petites mafias. La Guylaine ajoute, et quel baiser. Et une bite énorme. Et alors, comment ça fait alors? Parce qu'on disait tout à l'heure, quand tu as vécu, parlais de nos parents, quand tu as vécu 50 ans, comme mon père et ma mère... Tu dis, c'est un bras qui te manque, moi, c'est la moitié qui manque. Ouais. Tu te retrouves, quand tu as été un couple pendant 43 ans comme moi, tu te retrouves seule, c'est très, très, très perturbant. C'est bizarre, enfin, terrible, je suis sûr. Ce qui est intéressant, c'est de savoir quelles sont les recettes des uns et des autres pour être heureux après tant d'années. C'est ça. Ouais. Après tant d'années. Ah oui. Comment fait-on pour continuer à être heureux et pas s'emmerder? Après la mort de son... Non. Non. Parce que Claude, c'est ce qui intéresse aujourd'hui. Je connaissais pas Le Pen, et l'autre jour, pour la première fois de ma vie, je suis allée animer une rencontre entre un petit club anglo-saxon et Jean-Marie Le Pen. Ah ouais. Première fois que je le voyais, et c'est quand même, il produit une étrange atmosphère. Il y a une espèce de virilité boursouflée chez cet homme. Ouais. Qui est gênante. C'est très bizarre. Si Le Pen a passé 500 signatures, ça peut changer. Ça, c'est incroyable. Je les ai. J'ai eu le QG là cet après-midi. Ils avaient. Non, j'ai eu le QG cet après-midi parce que pour mon boulot, je suis obligée quand même de savoir. Bah, c'est normal. Ouais. Et ils avaient l'air quand même vraiment emmerdés. Quand même, qui fait dire qu'ils pourraient ne pas les avoir. Il y a quelqu'un qui a dit ça dans l'émission à la radio cet après-midi. Je trouve que c'est un très bon indice. C'est vrai. C'est s'ils commencent à payer des gens pour avoir les signatures, c'est que quand même, ils ont du mal à les obtenir. Il l'avait déjà fait la dernière fois. Peut-être, mais pour en être à payer pour obtenir une signature, autrement, tu ne les payes pas si tu les as aussi facilement que ça. C'est quand même nul, quoi. Je veux dire, que les mecs soient obligés d'avoir 500 signatures pour se présenter, et en plus que ça soit public. Il faut dire, il faut que les maires disent pour qui ils donnent leur voix. Oui, c'est ça, c'est public. Enfin, mais il y a bien quand même 500 personnes qui donnent des signatures à Le Pen, des maires. Ben non. Moi, j'habite dans un bled où Le Pen fait 20%. Oui, d'accord, mais tu comprends que il faut que tu sois dans 30 départements différents. Alors déjà, par exemple, tu vois, tu as un endroit où tu en as plein. Hein. Ronald, tu as les arts. Mais oui, mais tu peux pas les prendre tous au même endroit. Il faut que tu aies 30 départements. Donc si tu veux, ça complexifie le jeu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'entend pas parler de l'extrême-gauche qui fait des scores tout à fait faibles dans les sondages. Pourquoi? Parce que les types, ils rament, ils ne font que ça, au lieu de faire campagne. C'est vrai que ça pose quand même un petit problème démocratique. Alors je suis peut-être d'avoir 16 candidats comme en 2002, c'est peut-être un peu beaucoup, mais là on est arrivé quand même au
taquet ou si t'es pas membre d'un grand parti politique, tu peux plus exprimer tes idées. C'est quand même un peu embêtant. T'expliquerais à un mec qui viendrait de Sirius. Donc, un mec qui fait 18%. Le mec est au deuxième tour des élections. Bah ouais, c'est fou, il n'a pas ses 500 signatures. Non. Il n'a pas un député à l'Assemblée nationale. Le mec te dirait, c'est pas la démocratie. La démocratie, est-ce que c'est aussi de donner la place à ceux qui ne sont pas des démocrates? Alors tu vas me dire, c'est aux électeurs de trancher. C'est pas non, seulement aux électeurs. Je vais te dire qu'Hitler a été élu au suffrage universel et que tu as peut-être raison. Voilà. Mais je pense pas que Jean-Marie Le Pen soit Adolf Hitler non plus. Quand je vois tout ça, c'est tout. Moi, je suis pour. Je suis... Algérie française. Non, pas du tout. D'abord, je crois qu'il faut se mettre. Non, je crois qu'on soit tous bien d'accord. La vie politique française. Non, mais qu'est-ce que t'as au fond du crâne? Au fond du crâne, je le dis. J'ai pas encore l'âge de Raymond Barre, mais je peux le dire. T'es suffisamment vieux pour te lâcher. J'aime pas les pédés, j'aime pas les juifs, j'aime pas les femmes. Ouais, tu l'as dit. Ouais. Vraiment. Non, et je veux dire que la connerie, le crime, la maladie infantile de notre République, c'est l'élection du président de la République au suffrage universel. Ah, ça, je suis d'accord. Parce que là, on ouvre la porte à toutes les démagogies. Mais quand tu vois tous les crétins que je rencontre dans mes coins et qui te parlent politique, ils vont dire il faut voter un tel, il faut voter un tel, je me dis ces gens ne sont pas aptes à voter sur une décision aussi importante. Là, voilà. C'est autre chose. Tu connais la célèbre phrase d'André Gide, auprès d'André Gide, je ne veux pas voter parce que je ne veux pas que ma voix ait autant d'importance que celle de ma concierge ou de ma femme de ménage. Je trouve que c'est un enjeu trop important pour le non, pour le suffrage. Dans ce que tu dis, pas le vulgus pécus. La porte ouverte à toutes les démagogies. Parce qu'aux États-Unis, ça veut dire que ce sont des élections à l'audience, ce sont des élections à l'audimat, à son intérêt à la fin, gagne. Tu vois, c'est ça que ça veut dire. C'est formidable. Non. Le mélange, l'élection du président au suffrage universel, plus la télé, plus Astara, c'est un mélange explosif que le général de Gaulle n'avait pas prévu. La preuve, c'est quand Ségolène va toucher un paralytique, elle prend 5 points dans les soumises. Donc c'est porte-nawak. Bon, c'est porte-nawak. Ce qui compte, c'est savoir qui va être au deuxième tour. Pour l'instant, personne ne peut savoir si c'est Sarko, Sego, Bayrou ou Le Pen. Là, on est sûr qu'il ne gagnera pas au deuxième tour parce que bon, ça, il y aura toujours un barrage contre lui. Tout est possible. Mais en tout cas, Le Pen, tout est possible. On ne devrait d'ailleurs pas faire de sondage sur le deuxième tour. C'est idiot. On devrait faire des sondages que sur le premier tour. Allons-y étape par étape. Puisque le deuxième tour, tout peut se jouer à partir du moment où on n'a plus que deux personnes. Là, il y a un vrai choix qui se fait avant. Oui, mais c'est important de savoir quels vont être les reports de voix. Si tu ne fais pas un sondage sur le second tour, tu n'évalues pas le danger. On ne connaît pas les reports. Personne ne parle de programme, on ne parle que de Starac, qui va gagner, qui va appeler, qui va téléphoner. On ne parle pas politique, jamais. C'est pas vrai, arrêtez de dire ça. Je trouve qu'au contraire, c'est une campagne plutôt très politique, avec deux choix de société particulièrement nets. Mais est-ce que les gens en parlent de ces choix de société? Mais bien sûr. Je crois, oui. Franchement, je peux te dire qu'il n'y a jamais eu autant de monde. C'est assez marrant parce que quand tu vois chaque candidat, il te dit « Oh, mais les sondages, c'est sûrement faux parce qu'il y a tellement de monde qui vient. » Mais la droite, à gauche, au centre, tout le monde te dit… Ils font 10 000 personnes à Mont-Marsan. Voilà, pour des discours. Parce que pas forcément pourri. Mais enfin, il faut quand même rester une heure et demie assis et écouter un candidat te réciter son truc. Bon, et les gens y vont. Donc ça veut dire que les gens, quand même, ça les intéresse. Les émissions de télé font un score pas possible. C'est-à-dire que les gens, quand même, ça les intéresse. Ils en parlent. Ils savent très bien, on leur a volé l'élection en 95 puisqu'on ne s'est intéressé. 2002. Non, 95 déjà. On a été focalisé par la bagarre Balladur-Chirac. Et on n'a pas parlé de Jospin. Et 2002, on a plus Jospin du tout. Donc, si tu veux, ça fait quand même maintenant 12 ans qu'il n'y a eu un vrai débat droite-gauche installé dans le pays. Et là, il existe, je suis d'accord, il y a quand même deux choix de société assez différents. Je ne suis pas d'accord que ce sont des choix de société. Je suis d'accord avec toi quand tu dis que les gens sont beaucoup plus passionnés par ce qui se passe. Ils savent que c'est important. Tout le monde est concerné beaucoup plus que les années précédentes parce que le débat est beaucoup plus proche des uns et des autres. Parce qu'on parle des problèmes des gens. On parle des problèmes des gens, exactement. C'est formidable. Mais je ne crois pas une seconde que ce soit aujourd'hui un choix de société. Mais je ne suis pas d'accord. Parce que je trouve que finalement... Beaucoup plus que les années précédentes. Oh, je ne suis pas d'accord. Tu crois que la société va être radicalement différente si on a Sarkozy ou Ségolène? Je vais te poser une autre question. Est-ce que tu penses que la société anglaise... Alors, je vais te dire, est-ce que tu penses que la société anglaise est vraiment différente de la société française? Ah oui. Moi, je le crois. Oui, je le crois. Et est-ce que tu penses que la société anglaise est différente de la société suédoise? Bien sûr. Et ben quand elle propose le modèle suédois, je peux te dire qu'il faut l'assumer. C'est quelque chose. C'est quand même énormément d'impôts, beaucoup de solidarité, beaucoup d'exigences aussi. Être solidaire avec les autres? Pas du tout. Je ne sais pas si vous avez vu un sondage. Enfin, c'est pas un sondage. C'est une enquête de l'UNICEF sur les enfants en Europe.
Où est-ce que je l'ai lu? Dans un des rares journaux qui en a parlé, l'Humanité Dimanche, auquel je suis abonné. Eh bien, dans ce rapport de l'UNICEF... Que tu vends même sur le marché, Gérard, tu peux dans dire. Dans ce rapport de l'UNICEF, écoute Thierry, on apprend que pour la première fois, ils font rentrer d'autres critères que le critère simplement économique pour les enfants. Sont-ils heureux? C'est-à-dire, ont-ils envie de se suicider ou pas? Ont-ils des perspectives d'avenir? Comment se sentent-ils dans leur famille? Et on s'aperçoit que la pire des sociétés pour les enfants, c'est la société anglaise et la société américaine. Que la société française n'est pas très bien placée d'ailleurs de point de vue, et que les meilleures sociétés, c'est effectivement la société Pays-Bas et pays nordiques. Et tu te rends compte à quel point, effectivement, on ne fait jamais rentrer en ligne de compte dans les comparaisons de sociétés ces critères-là. Toi, Gérard, là, tu nous fais qui au premier tour là? Moi, je vote Ségolène au premier tour. Ouais. Tu votes utile. Non, j'ai bah, voté... Il avait voté Robert Rue il y a 5 ans. J'ai voté Robert Rue il y a 5 ans. Mais t'as le droit de dire ça ou pas? Tu évolues. Hein? Est-ce que t'as le droit de dire ça? Ben, je le prends. Moi, j'ai essayé d'appeler le CSA, j'ai essayé d'appeler France 2 pour savoir quels étaient les droits exactement qui étaient les miens en tant que chroniqueur dans l'émission de Laurent. Et on m'a dit de façon extrêmement claire la chose suivante. Qu'à l'extérieur, je peux faire ce que je veux. Je peux évidemment être dans un comité de soutien, m'a-t-on dit. Je peux évidemment dire que je soutiens Ségolène. Mais si dans l'émission de Laurent, je dis il faut voter Ségolène ou quoi que ce soit d'approchant, alors on déduira mon temps de parole du temps de Ségolène. Par contre, si je donne mon avis sur autre chose, évidemment non politique, aucun problème. Et même si je parle politique sans donner le sentiment que je soutiens Ségolène, à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Alors, moi, je vous propose, si vous êtes d'accord, alors, si tu m'autorises... Je t'autorise à pronostic. Juste, chacun doit marquer pour qui il va voter au premier tour, alors, de façon anonyme. Si vous voulez voter blanc, votez blanc. Si vous voulez... On fait un mini-sondage, c'est absolument anonyme. Vous marquez... On fait le premier tour aujourd'hui, vous marquez pour qui vous votez. Il n'y a aucun risque qu'on dise qui a fait quoi. Ségolène. Eh oui, j'aurais 25, j'aurais, je sais pas, ça 10 Ségolène. Ça te met hors de toi, ça, déjà. Ségolène. Évidemment. Ah ah, vous avez peur. Ségolène. T'as voté trois fois, tu, Laurent? Sarko. Sarko. Sarkozy. Sarko. Ah. Tu vois? Ah. Ah. Comme quoi? Ségolène. Ah. Blanc. Ah. Mais c'est pas encore décidé. Ségolène. Mais tu vois que c'est pas représentatif. Bérou. Ah, Bérou, quand même. Sarkozy. Ah. C'est Ségolène qui gagne. Oui, allô? Oui, bonsoir, Michael Gregorio et Richard Goujon. Le quatrième. Merci beaucoup. Bonsoir. 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 Richard. Allez, hop. C'est gentil de m'inviter ce soir. Hein. Très bon, je le fais très bien. Bon, bah, de quoi on parle? Je ne sais pas, de ma carrière au cinéma, de ma carrière de chanteur ou de ma carrière d'humoriste? Du café, de la danse, voilà. Merci Laurent. Excellent. Miller. Tu fais Miller? Ah oui, j'ai fait. C'était ma première voix parlée. C'est drôle. C'est la première voix parlée, c'était la mienne. Ouais. Et alors, fais voir. Alors vas-y, vas-y, ça donne quoi? Bien, ça donnait un truc un petit peu comme ça, mais bon, c'était... pas non plus. J'ai décidé de l'enlever, finalement, désolé. Mais bon, ça donnait un truc à peu près comme ça. Mais comme j'étais plus jeune, j'avais encore la voix encore plus aiguë et je pouvais... c'était plus facile de manier votre tessiture, voilà. Every time I sing the song, I sing for... All right. Georgia. Boy, Georgia. In the whole flew. Just an old sweet song. Keeps my Georgia on my mind. Yeah,
En avril au Café de la Danse. Ce qui pourrait être extraordinaire maintenant, c'est si, pour te faire plaisir et pour nous faire plaisir à tous, Laurent... Ce qui va sortir. C'est le musée Bourvil. Ah, moi j'adore. Ah, enfin, regarde. On est un professionnel, on va pas prendre un amateur, ça va moins bien marcher. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.